Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement à la plage de Kiki Beach, en direction bien sûr, un petit sentier où il n'y a personne, comme d'habitude, sur l'île de Lifou, sur une des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Alors il y a pas mal de gens qui hésitent à venir en Nouvelle-Calédonie, parce qu'on lit beaucoup d'informations sur internet, comme quoi c'est une destination réservée à l'élite, une destination qui est très chère et quasiment inaccessible pour les gens qui partent en sac à dos, car en fait il y a un budget énorme. Et moi j'essaie justement de casser cette fracture, casser cette désinformation, pour vous prouver le contraire, pour prouver que finalement la Nouvelle-Calédonie n'est pas réservée à une population d'élite. Pour ceux qui ont un petit budget, vous pouvez vous en sortir. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas parler de budget, car j'en parlerai plus tard, c'est surtout pour vous dire que cette destination, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable parce qu'en fait, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes. Si toi, tu aimes vraiment l'aventure, tu n'aimes pas les touristes, tu aimes être toujours dans les endroits, toujours tout seul, quasiment tout le temps tout seul sur les plages, toujours tout seul dans les parcs nationaux, quasiment toujours tout seul dans les campings. Alors c'est pas une destination comme la Thaïlande où tu peux faire la fête, etc. Mais tu vois, la Nouvelle-Calédonie, c'est une île qui est encore vierge. Elle n'est pas du tout affectée par le tourisme de masse. Et ça se voit d'ailleurs sur les coraux. Les coraux dans les îles, ils sont quand même plutôt très bien préservés. Bon là sur l'île de Lifou, il y a les croisiéristes qui viennent. Mais globalement, quand tu vois le corail, il est extrêmement bien préservé. Les plages, elles sont vraiment nickel. Il n'y a pas d'hôtel. Dans les îles Loyauté, qui sont les îles paradisiaques, il y a au maximum un hôtel. Et en fait, les New-Calédoniens, les Kanaks, ils ont tout compris en fait. Ils ont tout compris depuis le début. C'est qu'en fait, la destination comme la Thaïlande, comme Bali, comme le Cambodge, je dirais pas qu'ils ont rien compris. Mais en fait, le littoral, en fait, il est totalement détruit. Moi, je suis allé en Espagne. C'est pareil, c'était un massacre. La Nouvelle-Calédonie, au pire, t'as un camping. T'as des petits vendeurs là, vendeurs de rue qui vendent des sandwichs un peu partout. T'as pas ce phénomène de tourisme de masse. Et d'ailleurs, pour les personnes qui partent en Australie, pour les personnes qui partent en Nouvelle-Zélande, vous l'avez remarqué, il y a quand même du tourisme, surtout dans les parties Victoria, Queensland, Nouvelle-Zélande, c'est quand même très touristique avec les anneaux. La Nouvelle-Calédonie, pas du tout. Pas du tout touristique. C'est ça qui est incroyable. Vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est un petit paradis sur Terre.
Vous êtes tout le temps tout seul. Alors, au départ, j'y croyais pas. Je me dis, mais c'est pas possible. Un tel paradis, il n'y a jamais personne. J'ai fait les plus belles plages de ma vie sur l'île d'Ouvéa. Il n'y avait jamais personne. Alors après, c'est vraiment l'aventure. Parce qu'en fait, les panneaux, ils sont pas toujours bien préservés. Exemple concret, cet arbre là qui est au milieu de la route, il n'est pas forcément... Le sentier n'est pas entretenu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si t'aimes vraiment la nature, t'aimes être seul au monde, t'aimes sentir le truc, c'est-à-dire vraiment être seul, vraiment profiter de l'instant présent, c'est ici que ça se passe. Et tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Ça, c'est exactement ce que j'ai envie de faire, comme passer comme message dans mes prochaines vidéos. Le stop, ça marche extrêmement bien. Vraiment, surtout sur les îles. La nourriture, t'as des petits marchés. Donc en fait, tu peux t'en sortir pour pas trop cher. Sur la Grande Terre, t'as des leader price sur la côte ouest. Donc tu peux t'en sortir, il faut pas trop cher. Les campings, tu loges pour 8 euros en face de la mer, avec souvent t'as, voilà, eau chaude ou eau froide. Le courant, Wi-Fi. Si tu veux recharger ton téléphone, c'est pareil, c'est très facile. Tu achètes une carte SIM qui coûte 30 euros et tu payes 3 euros par jour, tu as internet à volonté. Donc vous voyez, en fait, la Nouvelle-Calédonie, je dirais pas que c'est pas une destination où le budget n'est pas cher. En même temps, si c'était vraiment pas cher, il y aurait peut-être trop de monde. Le budget, voilà, il faut compter après 50 euros par jour et vous êtes in à venir voyager en sac à dos. Pour les personnes qui veulent un peu plus de confort, bien sûr, il faut avoir un budget un peu plus important. Je pense qu'il faut un budget à peu près de 100 euros par tête et par personne et par jour. Backpackers qui vont voir ce message, des vrais voyageurs en sac à dos, des gens qui sont vraiment passionnés du backpacking, pas le touriste qui va s'arrêter uniquement à Sydney ou s'arrêter uniquement à Nouméa, le vrai backpacker qui a soif d'aventure. Cette destination, ça reste pour l'instant mon plus grand coup de cœur en Océanie. J'ai fait 2 ans en Australie, j'ai fait quasiment 3 mois en Nouvelle-Zélande, j'ai fait 1 mois en Tasmanie. C'est pareil, la Tasmanie, j'ai adoré la Tasmanie. La Tasmanie, c'est un petit paradis sur terre, c'est extrêmement préservé. Mais pareil, il y a du tourisme, ça c'est la réalité. Tu n'es pas forcément seul dans les parcs, tu n'es pas seul dans les cascades, tu n'es pas seul dans les endroits agréables. Quand tu es en Tasmanie, quand tu es sur les plages paradisiaques de la côte est, à Windglass Bay, tu n'es pas tout seul. Ici, tu es tout seul. Tu es tout le temps tout seul en fait. Et c'est ça qui est magique. Moi personnellement, j'adore. C'est pas parce que je suis un mec solitaire, je suis extrêmement sociable, j'adore le contact avec les gens. Mais globalement, le fait d'être tout seul, tu apprécies les paysages beaucoup plus parce que t'as pas ce tourisme de masse qui vient casser l'ambiance, toi, où t'as 50 personnes qui débarquent à prendre des photos ou 50 personnes qui viennent prendre des vidéos. Moi, je suis toujours tout seul. Pour ceux qui font des vidéos ici, pour les blogueurs, c'est un petit paradis. J'ai réussi à toujours négocier mes vidéos, mes logements. En fait, j'ai envie de te résumer la situation. La Nouvelle-Calédonie, faut que tu viennes en fait. Faut que tu viennes parce que je pense que ça va changer. Ils vont se développer le tourisme parce que là, le cours du nickel, parce qu'en fait, à la base, l'économie, elle était portée sur le nickel, en fait, voilà, pour ceux que ça intéresse. Sauf que le nickel, il va pas forcément bien. Donc en fait, ils sont obligés de développer le tourisme. Donc je pense que ça va se développer, pas tout de suite. Mais en même temps, quand tu discutes avec les locaux, ils veulent pas développer. Tu vois, ils veulent pas développer, c'est qu'une minorité de gens qui veulent développer. Donc je pense que de toute façon, il y en a pour un bout de temps. Après, la contrainte, et ça, faut être réaliste, c'est le billet d'avion. Il y a le monopole avec Air Canada, donc ça c'est un vrai problème. Donc le billet, faut compter après 1500 euros aller-retour. Voilà. Donc si tu es en Océanie, viens directement en aller simple depuis Sydney ou depuis la Nouvelle-Zélande ou depuis les îles de la Polynésie française. Mais par contre, si tu es en France, ça va te coûter un bras le billet. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes au moins 3 semaines à moi. Mais vraiment, si tu aimes le backpacking, si tu aimes l'aventure, si tu aimes toujours te sentir seul et apprécier les paysages, je pense pas qu'il y a énormément de destinations dans le monde où tu peux vraiment te dire ça. Toi, je suis en train de marcher actuellement en direction de la plage de Kiki Beach. Kiki Beach est une des plages soi-disant très touristiques de l'île de Lifou. Kiki Lifou est la plage, enfin, est une des îles les plus touristiques de la Calédonie. Et ce que je constate, c'est qu'il n'y a personne. Tu fais la même chose en Australie, tu fais la même chose en Nouvelle-Zélande. Tu aurais plein de monde, tu croiserais surtout le week-end. Là, je vois personne. C'est juste affolant, incroyable, magique.
Et franchement, tu vas pas regretter si tu viens ici. Parce que les locaux, ils sont extraordinaires. Les locaux, ils t'ouvrent les portes. Tu vois, j'avais soif. Et j'ai passé la journée chez un local à côté de Yasso, à Lifou. Ça, c'est un truc qui peut pas m'arriver dans d'autres pays. Ou ça peut m'arriver, mais c'est plus compliqué. Le fait que les gens parlent français ici, ça change énormément de choses aussi. Parce que ça facilite beaucoup la communication. Ils ont énormément de respect pour la langue française. Bien, même si voilà, ils préservent leur dialecte local, chaque tribu a ses dialectes, enfin chaque district a des dialectes. Donc, par exemple, sur cette ville, il me semble qu'il y a deux dialectes. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est pas réaliste. J'ai l'impression de pas y croire. Je pensais pas qu'en fait, en 2017, il y avait une destination qui était aussi peu touristique. Avec aussi peu de monde. Je crois qu'on parle de 100 000 touristes par an. Et encore, c'est des gens qui font pas forcément le tour. Franchement, ça fait 4 mois que je suis là. J'ai croisé peut-être 10 backpackers. Sur les 10 backpackers, t'en as 5 qui m'ont reconnu à travers mes vidéos. Et sur ces 5 backpackers, c'est des backpackers qui sont là juste pour quelques semaines. Quelques temps. Mais des gens qui font vraiment de la visite, il n'y en a pas beaucoup. Pourtant, tu peux vraiment travailler ici. Et bon, après, ça reste à Nouméa. Il faut travailler à Nouméa. Je suis pas en train de te dire que la Nouvelle-Calédonie, c'est un paradis sur Terre et que c'est le monde des bisounours. Je suis en train de te dire qu'en fait, la Nouvelle-Calédonie, c'est une destination où, en fait, les décors sont encore vierges. La barrière, elle est protégée. Elle est vierge. J'ai vu des requins. J'ai vu des tortues. J'ai vu des poissons multicolores. Il y a une faune qui est incroyable. Après, la faune, elle est incroyable, mais elle est pas abondante comme on pourrait avoir en Australie. Voilà, j'espère que je vous ai motivé à venir en Nouvelle-Calédonie. Je suis pas payé par l'office du tourisme pour vous inciter à venir. Je le fais vraiment pour moi parce qu'en fait, ça me passionne d'inciter les gens et d'influencer les gens. Parce que tout ce que j'ai dans mes vidéos, je le pense sincèrement. Sinon, je serais pas en train de faire mes vidéos, je serais en train de m'en poser à la plage. Mais vraiment, si vous allez venir en Nouvelle-Calédonie, tu vas pas regretter d'être venu ici. Parce que tu as une richesse au niveau... les gens sont très, très accueillants, toi. Les fruits sont incroyables, toi. Des cocotiers, des papayes, des mangues. C'est un truc de fou. Ça, c'est des choses que j'aurais jamais vues, toi, en Australie ou même en France, toi. Les gens, en fait, ils sont pas forcément riches ici, toi. Ils travaillent un minimum, ils ont leur propre terre. Ils font pousser l'igname. C'est sacré pour eux. Ils ont pas énormément d'argent, mais ils te donnent beaucoup, toi. Ils te donnent beaucoup, et je pense que c'est dans beaucoup de situations où les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, ils savent donner en fait. Ils savent recevoir, ils savent te loger chez eux. Chose qu'on a perdu en France, j'ai envie de te dire. Chose qu'on a perdu beaucoup dans les pays, on va dire, développés, toi. Et c'est ça qui est dommage. Ici, le temps s'est arrêté. Les gens sont toujours aussi agréables. Les gens ne sont pas pressés. Les gens prennent le temps de s'arrêter pour te prendre en stop. Les gens prennent le temps de s'arrêter pour répondre à ta question si t'es perdu au milieu de nulle part. Les gens, ils ne pensent pas qu'à l'argent ici. Ils pensent juste à vivre. Ils ont tout compris en fait. En France, toi, on va travailler voilà, 40-50 heures par semaine. On travaille comme des chiens en fait, pour être transparent. Ici, en fait, ils profitent de la vie, toi. Ils profitent de la nature. Et ça, c'est quelque chose que je respecte énormément en Nouvelle-Calédonie. Respect à la population Kanak, respect à la Nouvelle-Calédonie. Respect vraiment à cette île qui est juste extraordinaire. J'espère vous avoir influencé à venir ici. Car vraiment, je vois pas comment on peut faire mieux que cette île. T'as des montagnes, t'as des plages paradisiaques.